Eh bien, salut tout le monde, c'est Mezo. Aujourd'hui, on se retrouve, on est dans Skyrim, motherfucker. Je suis sur PC, bien évidemment, les amis. Aujourd'hui, donc on se retrouve, donc on est dans le menu là pour l'instant. Juste petite parenthèse, est-ce que vous connaissez ce bug là? En fait, j'ai installé un mode et depuis, enfin bon, vous allez me dire, j'ai toujours pas repatché mon jeu. Hein. Depuis, j'ai un dollar devant en fait toutes mes écritures. Enfin bref, c'est pas trop gênant, mais regardez là ici là, yes, no, enfin voilà, bref. C'est pas trop gênant, mais c'est... voilà, j'ai hein, ce dollar devant toutes mes écritures. Bref, aujourd'hui donc on se retrouve donc pour cette vidéo dans Skyrim, on va se retrouver pour une vingtaine de minutes les amis. J'espère donc que cette vidéo va vous plaire, en tout cas moi je vais tout faire pour, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va peut-être faire une ou deux quêtes de la confrérie noire, enfin ça va vraiment être détente comme d'hab. Voili, voilou, alors nous sommes... à Solitude ici et donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire alors prélever du sang Falmer tenter de connaître la porte de... ouais, non c'est de la merde attends quoi que ah bah attendez si parce que vous savez quoi alors on va faire cette quête là prélever du sang Falmer en fait c'est une quête dans laquelle il faut que je récupère du sang d'à peu près toutes les races et enfin pas de toutes mais de pas mal de races et il me manque du sang Falmer et je sais où en trouver. Je vais en trouver donc à la Ninroute Cram au truc de la Ninroute cramoisie. Donc bah attendez, je vous propose qu'on y aille. Alors attendez, c'est là. Voilà. Alftan. Ah, motherfucker. Sinon, en ce moment les amis, bah moi sur ma chaîne, ça se passe plutôt bien. Je vous ai proposé dernièrement une vidéo IRL. J'ai vu que vous avez plu parce que j'ai eu, je sais plus, 53 j'aime, je crois. Enfin bref, c'était franchement pas mal, j'étais assez content. Non, reviens là mon cheval. Voilà, on va prendre mon cheval, on va quand même... On va pas abuser quand même. Et ouais, j'ai vu que vous avez plu, j'étais vraiment content. Je pensais pas que j'allais taper autant. Ah non, merde. Bah attends, bah je vais laisser mon cheval parce qu'en fait, moi, faut que j'aille en dessous. Et donc, bah je pense pas trop que mon cheval va kiffer de sauter, puis de toute façon il pourra pas rentrer dans le bâtiment. Ouais, je pensais vraiment pas qu'elle allait vous plaire autant cette vidéo. Ça m'a fait vraiment vraiment super plaisir les amis. Et puis voilà, je suis vraiment fier de vous toujours pour votre activité. Parce que franchement, je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement Diablo X9 a sorti une vidéo. Je parle de lui parce que j'agis pas comme il agit pas comme un modèle sur moi parce que je ne le suis pas. Mais disons que c'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos, bien que j'y avais déjà pensé avant, il m'a vraiment poussé à le faire. En ce moment, j'ai vu qu'il avait une baisse de morale et tout, parce que, je sais plus, enfin, ses abonnés lui gueulaient dessus, parce que, je sais pas, soi-disant, il sortait plus de vidéos, de bonnes vidéos, enfin, il faisait que de la merde et tout et tout. Et quand je vois le nombre d'abonnés qui lui demandent un retour sur Call of... Et puis qu'il l'insulte parce qu'il en sort pas. Franchement, je me dis putain, mais je suis heureux. Moi. Enfin, je devrais être content parce que moi, vous me dites rien. Bien que je vous propose moins de Call of. Vous inquiétez pas, les amis, je vais vous en proposer, pardon. Et ça ne saurait tarder. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une vidéo dans BF qui attend et qui va me poser problème. À savoir que, en fait, cette vidéo, je fais le rendu, j'ai déjà fait le commentary et tout. C'est un de mes meilleurs scores dernièrement sur Battlefield. Et franchement, c'est vraiment nickel. La vidéo elle fonctionne parfaitement. Seulement au moment de faire le rendu, bah à la fin du rendu, alors je fais le rendu en entier, mais seulement à la fin. Alors attendez, il doit y avoir un levier quelque part. Non? Bon, on va bien voir, sinon on va faire le tour. Mais seulement à la fin, je sais pas pourquoi, ça me met erreur de format, je sais pas trop quoi. Alors, si vous connaissez ce problème, franchement, bah, ce serait sympa de pouvoir m'aider. Regardez. Sort des piliers. Hop, j'ai niqué sa mère à l'araignée travailleuse d'où elle meurt. J'aime spirituel. La malachite, j'en ai pas besoin. Ouais, voilà, enfin j'ai ce bug là, donc je peux pas vous proposer le gameplay. Sinon, dès que je vous le proposerai, je marquerai dans la description. Mais putain, j'en étais sûr, elle était là. J'entendais bien un truc marcher. Je vous le marquerai dans la description, mais je préfère vous prévenir aussi maintenant. C'est que dedans, je dis. Je vous propose cette vidéo le jeudi, alors qu'en fait, bah, je la proposerai sans doute absolument pas un jeudi. Donc, du fait de ce problème, sinon, reconcentrons-nous un petit peu sur Skyrim. Je suis dans une ancienne usine Dwemer. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oh, ici. J'en ai rien à foutre. Alors, c'est quoi ces bruits-là? Le pire, c'est que je suis déjà venu ici, hein.
Mais en fait, mais les usines de Waymer, je crois que c'est ce que je déteste le plus dans Skyrim parce que je trouve que. Regardez. Les sphères de Waymer. Parce que je trouve que ça colle absolument pas à l'univers Skyrim qui est médiévalo-ancestral. Et voilà. Non, sérieusement, je trouve que ça va pas du tout avec l'univers de Skyrim. Mais bon, c'est pas grave, j'aime quand même. Là, je sais pas si vous avez vu, regardez, je me mets face à un truc clair. Vous voyez les taches de sang sur mon écran? Ça, c'est pareil, c'est un mode que j'ai installé qui en fait rend le sang plus réaliste, qui d'ailleurs en fait apparaître plus sur nos ennemis. Wow, il y a carrément une forge ici. Qui en fait apparaître plus sur nos ennemis bah, quand on leur pète leur gueule, quand on leur pète leur cheville, et c'est particulièrement génial. Chercher araignée d'homme, en fait, je sais absolument pas. C'était pas ça en fait que je. Attendez, ouvrir porte. Si, ça devait être par là. De toute façon, je vais bien finir par m'y retrouver à l'endroit où je veux. Normalement, il me semble qu'à un moment, on va arriver dans une espèce de grotte totalement pourrie. Enfin, c'est même pas forcément une grotte, mais avec un truc sur le plafond, on dirait l'espace. Enfin, c'est magnifique et en même temps, j'aime pas du tout. C'est paradoxal, je sais, mais. Oh, un diamant. Une fourchette. De l'or. Épée de fer, hache de verre. Non, je pense juste que c'est un bon. Hop, je refais un petit sort des piliers, comme ça je monte ma conjuration en même temps. Ah oui, tiens d'ailleurs, donc je suis monté level 35. J'ai désinstallé le mode de vous saviez le mode que j'avais là pour l'inventaire, parce que je l'aime pas. En fait, il m'a vite saoulé ce truc là. Et j'ai une armure d'ébonite, pas complète, j'ai pas le casque et j'ai pas les gants. Mais sinon, ouais, c'est une armure d'ébonite que j'ai. Écoutez, on va essayer d'aller par là. Ah, notre petite histoire de conjuration. Vous voyez, en fait, ça augmente super vite. Hein. Je savais pas que je pouvais augmenter comme ça mon sort de conjuration. Parce que c'est bien, parce que ça me fait en même temps level up. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, ça doit être. Oui, il me semble que c'est une épée des draps qui me fait spawn dans la main. Donc, c'est assez puissant quand même. Hop, alors ça, je m'en rappelle par contre de ces tuyaux de merde. Voilà, c'est bon. Mon paquen. Tac, tac, tac. Ah oh bah j'ai donné un coup dans le vide. Bon. Ah bah sinon les amis. Là au niveau des performances de mon PC. Ah c'est bon. Regardez, c'est ici. Il me semble que ça va être par là. Au niveau des performances de mon PC, je suis vraiment vraiment content. Parce que hier, avec mes parents, enfin, j'ai été acheter un nouvel ordinateur pour mes parents parce que le leur avait crashé. Et au passage, on a acheté des ventilateurs pour PC. Portable. En fait, je savais pas du tout que ça existait ces choses-là, mais c'est super intelligent. C'est en fait un espèce de petit boîtier que vous mettez sous votre PC portable, que vous branchez en USB, et avec deux ventilateurs, et ce qui en fait bah ventile votre ordi. Et moi, ça me permet de faire tourner Skyrim avec beaucoup plus de FPS. Là, je suis à 30-32, donc c'est plutôt pas mal. Savoir qu'avant, ouais, j'étais vers les 25-30. J'étais entre 25 et 30 et ouais, là franchement je suis vraiment content que ça m'ait permis de monter comme ça. C'est super super bien. Et je conseille en fait bah, tous les gens qui ont un PC portable parce que c'est d'en prendre un, c'est super intéressant comme truc et c'est vrai que c'est super ingénieux. Enfin c'est con hein, c'est super super simple mais voilà, fallait y penser. J'avais pas pensé moi, je savais même pas que ça existait mais bon voilà, moi j'ai payé le mien 20 €. Alors après faut faire gaffe, faut essayer de vous faire bien conseiller. Ah, j'ai eu chaud parce que je sais que ça après là normalement il y a une hélice qui sort du sol pour nous découper en rondelles. Même pas pour nous découper la rondelle. Enfin, j'étais obligé de la faire. Alors, une gemme spirituelle. Non, ça j'en ai rien à foutre. Alors, on s'en rapproche. On se rapproche de mon objectif. On va pas faire la quête de la ligne route, hein, la ligne route cramoisie. Je suis juste venu là pour prendre du sang Falmer. Parce que la ligne route cramoisie c'est. Je dois retrouver 30 et j'ai dû en retrouver. Allez. 4 ou 5, et franchement, c'est long. Puis, enfin, vous verrez bien, la pièce est vraiment immense. Il n'y a rien d'amusant à faire ça, à chercher une plante pendant 3 quarts d'heure. Sérieusement. Alors, attendez, débrouiller porte, apprenti. Regardez, hop, voilà, c'est bon. Comme ça, j'ai pas eu besoin de chercher midi à 14 h. C'était quand même assez simple. Je vais rebalancer un petit sort de conjuration. Que je l'avais déjà tué. Chaîne spirituelle ordinaire. Tac, toi tu te dégages. Voilà, tu rentres chez ta mère. Alors, encore un gemme spirituel. Après, je reste, j'en ai rien à foutre. Alors, attendez. Est-ce que je peux passer par là?
Ouais, mais ça m'amène à rien, donc c'était bien ce qui me semblait. Alors on va retourner là-bas. Voilà. Tiens, ah oui, les amis, parlons de Zombies Death. Alors, cette série que je vous ai tant annoncée et que vous attendez avec tellement d'impatience, je le sais. Non, sérieusement, je suis vraiment désolé, les amis, mais pour Zombies Death, on va avoir un énorme problème. À savoir qu'en fait, on a essayé, j'ai fait 5 essais vidéo avec Slacks et Exo, et ces 5 essais vidéo n'ont donné naissance à aucune vidéo. Savoir que on n'a pas arrêté d'avoir des problèmes. La première fois, c'était à cause des spawns de... Ah, un Falmer. Regardez, je vais lui péter la gueule. Tac et tac. Attendez. Je vais récolter le sang, je me suis trouvé un peu trop tard. Je vais lui prendre son or, son poison, pourquoi pas, et puis ce sera tout. Voilà, maintenant on va faire demi-tour, les amis, on va essayer de rentrer à la Meshta. Et puis, parce que là, je vais pas m'attarder ici, comme je l'ai dit, je déteste cet univers. C'est à moitié flippant et c'est pas beau, je trouve, enfin bref. Ça a son charme, hein, mais c'est vraiment pas ce que je kiffe le plus dans Skyrim, mais alors vraiment pas, hein, tout ce qui est Dwemer et tout ça. De me prendre un coup là. Qu'est-ce que c'est mon précieux? J'ai entendu un coup d'épée. Là il y a un loup. Ouais, je sais pas. Bon, faut que je sorte, faut que je trouve un moyen de sortir. Mais il est en train de me péter mes chevilles ce ragnard là. Ouais, rentre chez ta mère. En plus j'avais qu'une queue de ragnard à ramasser. Alors, par où je sors? Parce que là si je monte, je peux pas monter. Ah putain, je crois que des Falmer. Bon, regardez. Merde, merde, j'ai un bouclier. Tac. Il goûte bien à mes armes là. J'ai installé un mode aussi qui rend les ennemis plus puissants. Parce que c'est vrai que les ennemis dans Skyrim, ils sont vraiment, mais vraiment easy à tuer. Bon, pas tous, hein, bien évidemment. Genre que les trolls de glace, ça c'est assez dur. Enfin, bien que maintenant, un coup de woodrat dans la gueule. Ou encore simplement un coup d'âge d'ébonite que j'ai là. Qui fait... Alors attendez, on va le regarder ensemble. Je crois qu'elle fait plus... Elle fait plus... Elle fait... Ouais, doit faire plus de 50 de dégâts. Ma hache d'ébonite. Voilà, elle fait 58 de dégâts en exquis. Donc ce qui est plutôt vraiment bien. C'est bien bien raisonnable. Hein, franchement, c'est... Putain, les pièges. Et voilà. Et je sais absolument... En fait, ouais. Ça, je savais pas, mais c'est un piège à con. Je vais être obligé de passer par là pour sortir, en fait. Ça, par contre, ce piège, je vais vraiment être con pour passer en plein milieu alors qu'on a la place pour passer sur les côtés, franchement. Enfin bref. Après, c'est la vision de mes os des choses. Voilà. Donc, encore un Falmer. Décidément. Moi, quand vous voulez. Ah merde, j'ai été empoisonné. Alors, attendez. On va prendre une petite potion. Putain, des potions, qu'est-ce que j'en ai? Merde, attendez, c'est antidote qu'il faut que je cherche. Non, 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 j'ai pas d'antidote. Ou y a pas un truc dans le genre Ah, voilà. Non, je sais même pas en fait si ça marche. Je soigne toutes les maladies, mais je sais même pas si ça retire les empoisonnements. Bon, tant pis, on verra bien. De toute façon, je vais pas mourir de ça. Attendez, vous savez quoi? On va tester d'autres cris plutôt que le Fusroda que vous connaissez tous. Qu'est-ce que c'est? Un souffle ardent, j'aime bien. Puis après, on essaiera un marque mortelle sur un autre. Oh, il brûle. Oh, il brûle. Oh, il brûle. Bon, il a pas brûlé longtemps. Hop, comme ça, je le finis. À la petite épée, je ramasse l'or, le poison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît, les amis. Moi, ça me fait plaisir de la faire, mais comme je vous l'ai dit, je déteste cet univers. Et c'est vraiment pas sympa de me faire ça, franchement. Putain, il brûle là, non? Les mecs, ils en ont rien à foutre, ils sont en train de se faire péter la gueule. Mais non, ils restent, ils se disent jamais bon. Faudrait peut-être que je m'en aille histoire de sauver ma peau. Non, les Falmer, ils en ont rien à foutre, c'est des mecs plutôt badass. Ah, regardez ce finish move. Ouais, il est pas top en fait ce finish move, j'aurais pensé mieux. Sinon. Et mais franchement, les amis, je suis vraiment désolé, j'ai du mal à commenter, mais là. Je vous ai dit, je déteste. Attendez, on va essayer un marque mortel. Ah merde, j'ai pas assez de kills. Non, le con, je vais mourir. Potion.
Attendez, potion de soins légers. Merde, concentré. Voilà, j'ai fait un petit cul. J'aime bien, franchement j'aime bien Marc Martel. Hop, le petit finish qui lui défonce sa gueule. Alors on prend l'or, voilà, on va pas trop s'amuser à tout prendre. Là franchement j'ai plus qu'une seule envie les amis, c'est sortir d'ici. Parce que franchement, je vous l'ai dit, je déteste cet univers. C'est pas vrai, je vais pas m'en sortir. Et au pire les amis, si vraiment je suis coincé là-dedans. Enfin, coincé. On n'est jamais vraiment coincé dans. Hop, un autre petit ki dans sa face. En fait, non, attendez. Vous savez quoi? Je vais remettre un petit coup de fous Roda. Parce que c'est le seul que j'ai en. Enfin, dont j'ai les trois parties. Potion de soin. Dégage-toi, putain, fanmeur de pédophile indien. Une givre père. Qu'est-ce que tu veux ramener ta fraise, la givre père? Voilà, en un coup, là, je te défonce ta mère. Donc, quelque part, rentre chez toi. Je me pose 2 secondes, les amis, franchement. Parce que voilà, enfin, je déteste mais cet univers. J'ai dit, j'adore Skyrim, mais ça, je trouve que ça va pas du tout. Laissez-moi vos avis d'ailleurs dans les commentaires. Je suis sans doute le seul à penser cela, mais je trouve que voilà, ça colle pas du tout à l'univers de Skyrim. Ah voilà, je vais enfin arriver dans cette pièce. Ça va devenir vrai dans cette pièce pendant quelques instants. La cathédrale d'Alphetan. Et puis je vais essayer de vite trouver la sortie puis de me barrer parce que là. Bon, enfin, remarquez, je vais peut-être la faire out vidéo parce que ça fait bientôt, ouais, 20 minutes. Ouais, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, les amis. Je vais pas tarder à arrêter cette petite vidéo. Et bien que je déteste l'univers de Dwemer, je dois dire que ça me fait assez plaisir de vous proposer une vidéo en Skyrim. Parce que c'est la dernière fois, il y a un pote qui m'a fait une remarque sur Skype. Je sais plus qui c'est qui me l'a faite. Il m'a dit sur ton background partenaire, on voit. Ça, je vais foutre l'épée dans la gueule. On voit Dovahkiin, mais c'est vrai que t'as pas fait beaucoup de vidéos pour l'instant sur Skyrim. Et je fais oui, c'est vrai, t'as pas tort. Je dirais même plus, t'as même raison. Enfin bref, faut vraiment que j'arrête de dire de la merde. Ah, maintenant que j'ai augmenté une main, alors voilà, ce que je fais les amis, quand j'ai augmenté une main, je passe à 2 mains. Bien que mon marteau orc ne fasse pas trop de dégâts, je l'ai trouvé sous le coffre de la Forge Ciel. Je sais pas si vous connaissez ce bug. Vous montez sur un toit de Blanche Rive. Putain, qu'est-ce qu'il est lent par contre quand il attaque à 2 mains, sérieux. Enfin bref, ouais, c'est un petit bug. Vous pouvez aller checker. Vous montez sur un bâtiment. Ensuite, vous arrivez. Enfin, vous faites le tour de Blanche Rive. Vous arrivez sous Blanche Rive. Enfin, sous la Forge Ciel, pardon, à Blanche Rive. Et de là, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a un coffre, il se régénère tous les 2 jours. Je le fais pas souvent, c'était la deuxième fois, enfin, la troisième fois que je le faisais. Et à chaque fois, en fait, ben, il n'y a pas vraiment des trucs bien. Moi, j'y vais surtout, c'est pour l'or. Parce que des fois, il y a 1000 or, des fois, il y a 500 or. Quand je le prends, ça me fait plaisir. Ah, bien évidemment, je peux pas monter. Si, regardez, hop, on va bien trouver. Bon, écoutez, c'est quoi, les amis, tant pis. Je sortirai de la grotte out of video. Et puis, je vous proposerai bien évidemment d'autres vidéos en Skyrim. Sinon, en plus, je suis monté ici pour rien. Pour rien. Je vais faire un petit tour là-bas. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Et puis si j'arrive pas. Ah voilà, je m'en souviens de ça. Regardez. Je m'en souviens. Faut que je monte ici. C'est pas compliqué. Que je fasse. Maintenant je descends. Tac. Je me défonce les jambes, mais j'en ai rien à foutre. Et puis voilà. Bon. Et bah écoutez, les amis, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ouais, ça fait ouais, un petit peu plus de 20 minutes maintenant. Non, qu'est-ce que je raconte? Un petit peu moins de 20 minutes. Excusez-moi. Et il y a un machin qui vient de sortir, et ça, je déteste juste les centurions Dwemer parce qu'ils sont juste. Ils sont juste hyper puissants et c'est hyper dangereux de se battre contre eux. Putain, mais regardez le nombre de dégâts que je leur fais, c'est rien comparé à eux. Centurion Dwemer a résisté à 6 fonds de vigueur. Oh regardez. Oh dans les on en métal de ce centurion Dwemer. Alors, j'aime spirituel magistral, grenat. L'énergie de Boomer, Ruby, tac, voilà, je me fais plaisir. Ah, franchement, là, je me suis fait un petit peu défoncer la gueule, mais au moins, je me suis fait plaisir. J'aimerais quand même vous montrer, juste avant que j'arrête la vidéo, la salle dont je vous parle. Parce que pour ceux qui jouent pas à Skyrim, voilà, ça doit être là. Je crois que c'est ça, ça doit être ça, ça doit être Griffe Noire. Je vous montre en fait la salle, donc avec les étoiles sur le plafond, c'est sympa, mais c'est un peu, je vous dis, c'est un univers que j'aime pas trop dans Skyrim. Et on dirait l'étoile de David. Enfin bref,
Regardez, vous voyez, c'est ça, c'est un truc bizarre avec des grandes stalactites là. Enfin, je sais même pas en fait ce que c'est. J'aime vraiment pas cet univers. C'est quoi ça, c'est une arbalète? Je sais même pas à quoi ça sert en fait. Bah écoutez, je vous propose qu'on tue un ou deux mecs. Et puis j'arrêterai cette vidéo ici. Hop, une sphère Dwemer. Putain, il est lent par contre avec le marteau, sérieux. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec deux mains. Ah bah tiens, je vais augmenter mes deux mains, donc je vais pouvoir repasser à autre chose. Bah maintenant, en fait, je vais repasser uniquement à la magie. Alors, sort de destruction, on va faire... je sais même pas en fait si je peux la faire aura enflammée. Non, je peux même pas la faire. En fait, la dernière fois, j'ai acheté plein de sorts de destruction, mais que je peux même pas m'en servir. Boule de feu, froid mordant, tempête de glace, éclair enflammé, éclair multiple, ça, je crois que je peux le faire. Ouais. Ça, j'aime bien, franchement. Oula, je vais mourir là. J'ai intérêt à faire extrêmement attention. Attendez, je vais me faire un petit sort de soin, un petit sort de guérison. Voilà. Je vais régénérer ma santé. On va aller voir là-bas là, où est mon objectif. Et puis on va se quitter là-dessus, les amis. Attendez, ouais, mais comment je fais pour ouvrir moi? Comment je fais pour aller de l'autre côté? Trouver l'importance de la ligne rouge cramoisie. Ah putain, ça se trouve c'était ça le levier là-haut là. Oh, je vais pas y retourner, de la merde. Hein. De toute façon, j'ai dit que cette quête là, moi j'avais pas envie de la faire. Enfin bon, un jour je finirai bien par la faire hein, parce que sinon je vais me faire chier quand j'aurai plus rien à faire dans Skyrim. Parce que là, ouais, comme je l'avais dit dans la vidéo annonce, j'ai déjà terminé. Attendez, ouais, on va aller là-dedans. Ça au moins je sais qu'on peut l'ouvrir. J'ai déjà terminé la confrérie noire, la guilde des voleurs. J'ai déjà terminé les compagnons. Enfin j'ai terminé vraiment énormément de choses. Mais j'ai pas encore installé les DLC. Donc ça va encore. Alors on va chercher dans Cinderion. Journal de Cinderion et de l'or. On va aller lire ce petit journal. Et puis on va se quitter là-dessus. Alors, journal de Cinderion. Ouais, non. En fait il y a trop de lecture. Donc... Bah écoutez, on va se quitter là-dessus dans ce magnifique bâtiment de la Ninroute cramoisie, comme de par hasard. Un cœur de Dédra, grelat de la mort, thorax de flamme mouche, œil de smilodon, œuf de coruche, dents de smilodon, motherfucker, boom. Pardon. Alors, eh bien écoutez les amis, oh, des gemmes. Mora Tepeline, je sais pas ce que c'est, je prends, je me fais plaisir, de toute façon je prends des plantes. J'aime bien en fait dans Skyrim parce qu'on peut prendre un peu n'importe quoi, genre des bestioles et tout, puis on les mange et ça nous donne. Des fois on a des fois ça nous désavantage, mais des fois on a des bons trucs quand même. Potion de sang, ça je prends et puis voilà. Bon bah écoutez les amis, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'aura fait plaisir de la faire. Une petite vidéo d'une vingtaine de minutes dans Skyrim, même si je vous l'ai maintes fois répété, je déteste cet univers. L'univers Dwemer. Et j'attends vos avis dans les commentaires, voir si je suis tout seul à penser ça. Ou si comme moi vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'univers de Skyrim, enfin bon, bref. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Et puis je respecte celui des autres, hein, bien évidemment. Sel du néant, il faut du sel du néant. Bon, j'en ai rien à foutre en fait. Bon bah écoutez les amis, voilà. Je vous dis à la prochaine, tout le monde, prenez soin de vous. C'était Meso, et puis voilà, allez, ciao tout le monde, à la prochaine.